quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Marie a pris sa croix. La première parmi tous les chrétiens, elle a renoncé à elle-même. Elle a pris sa croix pour suivre son divin Fils. Quelle est cette croix de Marie? Quelle est cette souffrance qu'elle a acceptée pour se mettre à la suite de Jésus? Quel est ce glaive qui lui a transpercé l'âme? La réponse est dans la passion du Christ. La croix de Marie, c'est la compassion, le partage de la souffrance de Jésus. Elle a souffert avec lui. Et depuis ce premier vendredi saint, elle souffre avec chacun de ses fils. À la suite de Marie, nous plaçons notre confiance en Jésus. Marchant à sa suite, quelle que soit notre croix, sûr que Marie nous accompagne. Les mystères de la confiance. Il fait bon prendre son temps quand on se tient devant la Pietà et s'attarder à étudier, à interpréter chaque détail de la statue. Son image dégage une telle sérénité face à l'adversité qu'elle fait descendre la paix de Dieu en nos âmes. Marie tient la dépouille de son fils entre ses bras et pourtant, elle ne trahit aucun signe d'inquiétude, de désespérance. Au contraire, elle invite à la confiance en Jésus, Dieu fait homme, mort pour chacun d'entre nous. Le visage paisible de Jésus, son pagne blanc, annonce son réveil imminent. Et Marie, la Vierge sage par excellence, est prête à l'accueillir dans son triomphe. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire au Père qui nous a créés. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Fils qui nous a rachetés. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Saint-Esprit qui nous a sanctifiés. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère de la confiance, la tempête apaisée. À contempler la Pietà, toute la vie de Jésus finit par se déployer sous nos yeux. En effet, on se remémore par exemple l'épisode de la tempête en mer. Les apôtres sont embarqués avec Jésus quand survient la tempête. Elle est si violente que le bateau est près de chavirer. Pendant que les apôtres font face au déchaînement des vagues, Jésus dort comme si de rien n'était. La Pietà nous renvoie à cet épisode qui a mis la confiance des apôtres à rude épreuve. En effet, Jésus semble dormir tranquillement sur les genoux de Marie, tandis qu'autour de lui, sur le calvaire et dans tout Jérusalem, tout est dans l'agitation. À la mort de Jésus, la terre a tremblé, le voile du temple s'est déchiré, l'obscurité est descendue sur la terre, des morts sont sortis de leurs tombeaux, la population est prise de panique et de frayeur. Or, à contempler la Pietà, on ne ressent que paix et sérénité. Les bras de Marie sont comme la barque dans laquelle Jésus dort alors qu'une tempête fait rage. Et Marie semble, comme les apôtres, vouloir le réveiller pour qu'il commande aux éléments de se calmer et ramène la paix dans les âmes. Marie, Notre-Dame de Marienthal, recevez-nous comme vos enfants et apprenez-nous la confiance en Jésus. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Deuxième mystère de la confiance, la pêche miraculeuse. Pierre, un pêcheur aguerri, passe pour un expert dans son domaine. Pourtant, il s'en revient bredouille de sa dernière pêche, et ce n'est pas faute d'avoir besogné. Or, Jésus lui demande de jeter à nouveau les filets. Pierre s'exécute, et le miracle se produit. Les filets sont pleins à craquer. Parce que Pierre s'est fié à la parole de Jésus, le miracle a pu se produire. Si Marie croit en la résurrection de Jésus, c'est parce que lui-même l'a annoncé et qu'elle s'appuie sur l'autorité de sa parole. Il a dit qu'il ressuscitera. Ce que Jésus annonce, il l'accomplit. Aussi, elle prie avec toute la ferveur de son âme pour hâter ce retour, pour qu'il intervienne avant même le troisième jour, comme annoncé. Marie semble murmurer à l'oreille de Jésus, l'appeler de toute la force de son amour pour qu'il hâte son retour. Et en effet, Jésus ressuscitera après être resté moins de 2 jours dans les entrailles de la terre. La confiance fait jaillir du cœur cette prière toute puissante qui désarme la justice de Dieu et libère les torrents de miséricorde.
Marie Notre-Dame de Marienthal, recevez-nous comme vos enfants et apprenez-nous à nous fier à la parole de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Troisième mystère de la confiance, la rencontre avec la Samaritaine. À la Samaritaine, Jésus dit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire. » Oui, si nous savions le don de Dieu, nos vies en seraient transformées. Marie contemple son Jésus comme si elle avait tellement pénétré les desseins de Dieu qu'elle se rend compte dans une mesure bien plus grande que nous de toute l'ampleur du don de Dieu en Jésus-Christ qui s'est livré pour notre salut. Le Saint-Esprit a comblé Marie de bien plus de lumière que nous. Cependant, il ne lui a révélé qu'une petite partie des desseins de Dieu, car elle aussi devait traverser cette vie dans l'obscurité de la foi. Cela dit, personne plus qu'elle n'a réalisé toute l'ampleur du don de Dieu. On pourrait presque croire en la regardant qu'en cet instant de douleur, il lui est donné de le réaliser plus encore, qu'elle en est submergée par la reconnaissance et l'émotion. Pour cette raison, elle n'a de plus grand désir que de nous le faire connaître. Aussi semble-t-elle vouloir nous inviter à l'écouter, elle, nous murmurer dans nos cœurs toute la vie de Jésus. Elle semble aussi vouloir nous tendre le corps de Jésus pour que nous l'aimions, croyons en lui et le laissions nous mener au salut qu'il nous a conquis sur le calvaire. Marie, Notre-Dame de Marienthal, recevez-nous comme vos enfants et donnez-nous de nous émouvoir de l'amour de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Quatrième mystère de la confiance, la multiplication des pains. Lorsque Jésus voit cette multitude qui est sur le point de tomber d'inanition, il dit à ses apôtres : j'ai pitié de cette foule. Ces simples mots résument toute la rédemption. Notre pauvreté de pécheur est tellement grande et l'amour de Jésus si dévorant qu'il s'offre pour notre salut. Son amour est si grand qu'il veut s'unir à nous et demeurer avec nous chaque jour de notre vie. Marie semble nous tendre son Jésus, le corps du Christ, comme le prêtre nous donne la Sainte Hostie au moment de la communion. Son regard nous invite à l'accueillir dans les mêmes dispositions de cœur, à savoir avec foi et reconnaissance. Ses yeux nous invitent à rivaliser de délicatesse pour réparer par un surcroît d'amour les innombrables offenses faites à Jésus, le Dieu d'amour. Marie Notre-Dame de Marienthal, recevez-nous comme vos enfants et apprenez-nous la reconnaissance pour Jésus, réellement présent dans l'Eucharistie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles et des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Cinquième mystère de la confiance, la résurrection de Lazare. L'évangile de saint Luc nous dit que Marie a retenu dans son cœur les événements de la vie de Jésus dont elle a été le témoin privilégié. Elle les a médités dans son cœur pour en tirer un enseignement. Tenant dans ses bras le corps sans vie de son fils, elle repense à la résurrection de Lazare. Elle repense aux paroles de Jésus. Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Dieu avait permis la maladie, la mort de Lazare, pour faire éclater sa gloire et sa puissance. Jésus a ramené Lazare à la vie, alors qu'il était au tombeau depuis 4 jours. Marie regarde Jésus, qui est bien plus que Lazare, attendant qu'il sorte de son tombeau. Il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre.
D'ailleurs, il porte déjà les vêtements du ressuscité, son panier blanc, et Marie a revêtu des vêtements assortis. Elle est prête pour l'accueillir à son retour. Elle est comme ces vierges sages de la parabole qui attendent le retour de l'époux et se tiennent prêtes à l'accueillir. Marie Notre-Dame de Marienthal, recevez-nous comme vos enfants et apprenez-nous la confiance en Jésus. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés.
votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, écoute-nous. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Christ, exauce-nous. Père du ciel, toi qui es Dieu, prends pitié de nous. Fils rédempteur du monde, toi qui es Dieu, prends pitié de nous. Esprit Saint, toi qui es Dieu, prends pitié de nous. Trinité Sainte, toi qui es un seul Dieu, prends pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de Miséricorde, priez pour nous. Mère de la grâce divine, priez pour nous. Mère de l'espérance, priez pour nous. Mère très pure, priez pour nous. Mère très chaste, priez pour nous. Mère toujours vierge, priez pour nous. Mère sans tache, priez pour nous. Mère très aimable, priez pour nous. Mère admirable, priez pour nous. Mère du bon conseil, priez pour nous. Mère du Créateur, priez pour nous. Mère du Sauveur, priez pour nous. Vierge très prudente, priez pour nous. Vierge digne d'honneur, priez pour nous. Vierge digne de louange, priez pour nous. Vierge puissante, priez pour nous. Vierge clémente, priez pour nous. Vierge fidèle, priez pour nous. Rose mystique, priez pour nous. Miroir de justice, priez pour nous. Trône de la sagesse, priez pour nous. Cause de notre joie, priez pour nous. Temple de l'Esprit Saint, priez pour nous. Tabernacle de la gloire éternelle, priez pour nous. Demeure toute consacrée à Dieu, priez pour nous. Tour de David, priez pour nous. Tour d'ivoire, priez pour nous. Maison d'or, priez pour nous. Arche d'alliance, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. Étoile du matin, priez pour nous. Salut des malades, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Réconfort des migrants, priez pour nous. Consolatrice des affligés, priez pour nous. Secours des chrétiens, priez pour nous. Reine des anges, priez pour nous. Reine des patriarches, priez pour nous. Reine des prophètes, priez pour nous. Reine des apôtres, priez pour nous. Reine des martyrs, priez pour nous. Reine des confesseurs, priez pour nous. Reine des vierges, priez pour nous. Reine de tous les saints, priez pour nous. Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous. Reine élevée au ciel, priez pour nous. Reine du Saint Rosaire, priez pour nous. Reine de la famille, priez pour nous. Reine de France, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Accorde à tes fidèles, Seigneur notre Dieu, la santé de l'âme et du corps. Par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, délivre-nous des tristesses du temps présent et conduis-nous au bonheur éternel. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.